présenter un peu le message. Voilà. Moi, je me suis chargé de la création de ça. Mais en étroite collaboration avec la DIDEC. Donc, ils m'ont donné tout ce qui était, en tout cas, information. Et là, en fait, il y a une lecture rapide. Hein. On peut voir que les élèves sont au nombre de 18 165, les classes, les établissements et le personnel qu'on retrouve ici. Ils sont beaux aujourd'hui. Donc, les régions de diocèse en tout cas, où les classes sont occupées. Donc, la position géographique au Sénégal. Alors, nous pouvons voir aussi les évêques qui sont succédés et les directeurs. Donc, on voit que les évêques, il y a eu des moments où le directeur a su gérer tout seul, mais à chaque fois, ils sont revenus. Et c'est eux qui élisent en fait les directeurs. Donc, on passe sous le contrôle du directeur. Donc, malheureusement, nous avons perdu ces quatre. Mais par la grâce de Dieu, ils sont encore là pour mener le travail, toujours aussi bien. Donc, donc ici c'est la cartographie. Donc pour retrouver à peu près où se trouvent les écoles selon la géolocalisation. Donc nous avons la liste des écoles et on voit que Thiès remporte largement le nombre d'écoles. Et Tiwaron, Bambé et Jourdain n'ont pas dit le dernier mot. Je pense qu'il y a des écoles qui se. Il y a des projets en tout cas. Et le directeur et le personnel saura vous en dire plus. Donc les numéros, on les retrouve ici. Donc le 17, c'est Daniel Brotier où on est aujourd'hui. Donc à côté de Sainte-Anne, qui a l'école maternelle. Donc à chaque fois qu'on voit le cartable de l'école primaire et le petit bébé, on sait qu'il y a garderie et école primaire. Donc c'est ce qu'on a représenté encore.